Mesdames, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors, je suis ici dans le Loiret, tout près d'ailleurs du Loiret-Cher et de l'autre côté de l'Eure-et-Loir. Et nous sommes en pleine période de semis de culture au printemps. Et là, très précisément, de semis de betteraves. Alors, je vais vous montrer une technique qui se développe, une technique qui est innovante, qui consiste à localiser la fertilisation directement au semis, dans le cadre de semis de betteraves. Mais sans plus tarder, je vous invite à retrouver le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Ah mais non, je fais pas le sommaire, hein. Non, il y a trop de sujets, je le sens pas. Allez, les news. Non, stop. Jean-Paul insiste, alors je le fais quand même. Nous revoilà pour un 278e épisode de Power Boost. On va vous faire un peu voyager dans cette émission, puisqu'on va aller dans l'exploitation de Cyril Richard, un homme en colère, je vous laisse découvrir pourquoi, puis direction La Beauce chez le concessionnaire Cheneau. Mais ce ne sera pas tout, on fait le point sur AgriZone, un site qui devrait faire beaucoup parler de lui, et on va rêver sur une belle caisse, la nouvelle bête de la classe G de chez Mercedes. Ok, vous êtes prêts? C'est parti, top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Les ventes de tracteurs standards restent sous la barre des 1000 unités au mois de février 2015. Cela représente une diminution des ventes de 29,15% par rapport à l'année précédente, à hauteur de 955 tracteurs vendus, soit un résultat pire que le mois précédent, à la fois en termes de volume et d'évolution. Les segments des 100 à 149 chevaux, de 200 à 249 chevaux et de 250 à 299 chevaux ont été les plus impactés. Sur l'année roulante, la baisse des nouvelles immatriculations est de 27,41%. Bonne nouvelle, après sa sortie sur PC, Farming Simulator 15 débarque sur console le 19 mai prochain avec 4 plateformes au rendez-vous, PlayStation 3 et 4 et Xbox One et 360. Parmi les nouveautés, au-delà des graphismes améliorés, une nouvelle activité de coupe de bois, un nouvel environnement nordique et pour la première fois, la possibilité de jouer en multijoueur sur console. Cyril Richard, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes entrepreneur, agriculteur, entrepreneur de travaux agricoles et là, vous êtes en plein semis de betteraves. Alors, ça se passe bien déjà? Oui, parfait. Cette année, on a des conditions météo impeccables. Depuis 10 jours, il ne pleut plus, les terrains sont bien essuyés, on n'a pas de coupure, on n'a pas d'averse, pas de pluie, donc on peut semer des journées complètes. Donc je pense que d'ici vendredi soir, on aura fini la campagne de semis de betteraves pour ce qui me concerne. Alors ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous avez un système qui vous permet effectivement d'apporter la fertilisation directement au semis. Quel est l'intérêt? Quel est le principe? L'intérêt, il y en a trois. L'agriculteur aujourd'hui gagne un passage déjà, puisqu'on apporte l'engrais au semis. Le deuxième intérêt, c'est l'intérêt majeur, c'est qu'il peut faire une économie de, on va dire, de 10 à 40 unités d'azote par hectare, en fonction de la dose complète qu'il faut mettre. Et le troisième intérêt, c'est que comme il ne met plus l'engrais avant le semis, il n'y a plus de risque de brûlure de la racine au moment de la levée par l'azote. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous rationalisez tout. Par exemple, vous avez un parc de tracteurs, vous en avez certains en propriété, puis vous louez aussi. Oui, ça, aujourd'hui, pour arriver en entreprise à être proposé des services au top, on est obligé d'avoir un renouvellement du parc matériel relativement efficace et souvent, de façon à arriver chez l'agriculteur avec du matériel qui soit au top. Donc lui ne va changer que tous les 7 ou 10 ans, donc il va être au top tous les 7 ou 10 ans, l'entrepreneur doit être au top. Pour moi, c'est mon sentiment, l'entrepreneur doit être au top tout le temps, donc il faut mieux passer sur un système aujourd'hui, je pense, de location, où on maîtrise nos coûts. Et comme ça, ça permet d'avoir un renouvellement et d'être au top technologiquement tout le temps. Cyril Richard, on va se retrouver sur votre lieu de stockage de pommes de terre, mais sans plus tarder, je vous invite à découvrir, peut-être vous savez qu'il y a déjà, il y avait quelques plateformes qui faisaient la pièce détachée sur Internet. Là, il y a une nouvelle plateforme qui arrive et qui a vraiment l'ambition de devenir l'oscaro.com de la pièce détachée sur Internet. C'est le média Machinisme Actualité qui a dévoilé en avant-première le lancement du site de pièces détachées agricoles en ligne AgriZone. Le créateur d'AgriZone, c'est le groupe Dubreuil qui pèse déjà 1,47 milliard d'euros de chiffre d'affaires et qui est propriétaire d'une trentaine de concessions. On comprend pourquoi les acteurs du machinisme savent que depuis cette semaine, le marché de la pièce détachée agricole ne sera plus comme avant. AgriZone propose les principales marques et à la fois des pièces détachées et des pièces adaptables. Le groupe garantit une livraison entre 24 et 48 heures. Environ 25 000 références sont déjà en ligne et près de 200 000 références devraient être disponibles dans 2 ans. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'interview de Pascal Joly, directeur d'AgriZone, sur le site de notre partenaire machinismeactualité.com. Cyril Richard est un homme en colère. En effet, le dépôt de bilan de la société Potato Master s'est soldé par la fermeture d'une ou plusieurs usines et il a perdu beaucoup d'argent car sa récolte ne lui a pas été payée. Avec d'autres producteurs, il souhaite reprendre l'usine pour faire perdurer le débouché.
Avec un accord avec un groupe commercial qui s'appelle aujourd'hui Agro 3D, on est trois producteurs groupés à vouloir reprendre, racheter l'usine de Tartarap pour la remettre sur les rails, reprendre les 30 salariés qui aujourd'hui sont mis au chômage et sont licenciés avec aux frais de la princesse, puisque c'est les AGS, hein, les fonds d'assurance payés par l'État qui vont payer tous ces salariés aujourd'hui. On a déposé un dossier le 10 mars, après bien des problèmes pour avoir accès au dossier, parce que c'est quand même pas une petite affaire, hein. On reprend quand même 30 salariés, il y a 25 000 tonnes en jeu à conditionner pour la grande surface, la grande distribution, et le dossier a été déposé, il a été reçu par le liquidateur judiciaire, il l'a transmis au tribunal du commerce de Saint-Étienne, qui lui n'a pas jugé bon de donner suite à notre dossier, sans motif, et donc aujourd'hui il a prononcé la vente aux enchères de l'entreprise. Donc on va continuer à se battre pour pouvoir reprendre cette entreprise qui est un outil super viable, et reprendre les 30 salariés qui aujourd'hui sont pour la plupart très motivés sur notre projet et souhaitent que l'on reprenne l'activité. Cyril et Richard, merci beaucoup de nous avoir accueillis ici sur votre exploitation. Alors vous allez voir la seconde partie de l'émission, on va la tourner chez un concessionnaire, pas très loin d'ici, à une dizaine de kilomètres, à Épi-en-Bosse. Mais juste avant, je voulais vous inviter à découvrir le nouveau prototype classe G de Mercedes. Le dernier né de la classe G de Mercedes est propulsé par un moteur V8 de 4 litres injection directe qui fait appel à une suralimentation biturbo. Les deux turbocompresseurs sont implantés non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur du V formé par les rangées de cylindres. Cela offre pour avantage un moteur compact, des reprises optimales et un faible niveau d'émission de gaz d'échappement. Le G500 en version 4x4 est équipé d'une transmission intégrale et d'un nouveau train de roulement à amortissement piloté. La garde au sol est importante puisqu'elle atteint les 45 cm, permettant ainsi de franchir des obstacles de près d'un mètre de profondeur. La taille du G500 est aussi impressionnante, avec une hauteur totale de 2,25 m et une largeur de 2,10 m. Alors on le sait, dans la Beauce, on irrigue, on va bientôt d'ailleurs irriguer, et ce qu'il faut, c'est des systèmes qui soient assez innovants. Je suis dans la concession chez nous, en compagnie de Jean-Michel Quad, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes une concession, mais vous importez une solution qui est plutôt originale, puisque quelque part vous cherchez le compromis entre l'intérêt du pivot de la rampe et l'intérêt de l'enrouleur. Oui, voilà, nous importons pour la France les rampes Briggs Irrigation, donc en fait qui sont des rampes d'irrigation qui s'accrochent à des enrouleurs. Donc on met en lieu et place en fait du chariot avec les canons. C'est disponible en quelle largeur ? Alors c'est disponible de 24 mètres à 84 mètres d'arrosage en fait, de largeur d'arrosage. Et on peut arroser tout type de culture ? On peut arroser tout type de culture, absolument. Évidemment, c'est très intéressant pour les cultures à haute valeur ajoutée puisqu'on réalise une irrigation beaucoup plus fine, beaucoup plus performante en fait. Et quel est l'ordre de prix qu'il faut compter, une fourchette ? Entre les toutes petites qui sont aux alentours de 10 000 euros jusqu'aux grandes qui peuvent dépasser les 25 000 euros. Voilà. Jean-Michel Quad, merci beaucoup. Je vous en prie. Et puis à présent, je vous invite à retrouver notre rubrique atelier. Vous connaissez cette pièce, il s'agit d'un amortisseur de torsion, c'est une sorte de cylindre bloc. Michael Pinatel, bonjour. Bonjour. Alors, c'est vrai que cette pièce, elle sert à quelque chose, à quoi ? Elle sert à amortir les vibrations entre la boîte et le moteur. Alors là, il y en a une qui est démontée, elle est un peu ancienne. Quel est le risque justement lorsqu'elle vieillit ? Et bien, quand elle vieillit, elle n'amortit plus les vibrations de la boîte et se répercute sur d'autres pièces. Alors, le principe, c'est qu'on a effectivement une cardan qui vient se fixer là-dessus. Si on pousse à l'extrême, qu'est-ce qui peut se passer ? Si on pousse à l'extrême, c'est plus le caoutchouc qui va amortir, ça va se répercuter sur le cardan de transmission. Et on risque quoi ? On risque là une casse, et avec la casse, d'engendrer un coût énorme de pièces cassées en fait, à côté. Et concrètement, il faut la changer tous les combien ? Et ben, par l'usine préconise environ 4500 heures ou 5 ans. Michael Pinatel, merci beaucoup. Merci.
Voilà, pour finir, je vous ai trouvé un modèle B de John Deere. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur ce modèle, dans les années 30, c'est la première fois où on a un constructeur qui s'intéresse au design. Et John Deere a été le premier. Alors, vous le voyez, devant le radiateur, on va trouver des calandres donc qui sont grillagés. Sur le dessus, on remarque que à la fois le tuyau d'échappement, mais aussi la prise d'air sont parfaitement alignés. Et puis, sur le capot supérieur, on va essayer de bien avoir tout dans une seule ligne. Voilà, notre émission Power Boost touche à sa fin. Ce qui est important à rappeler, c'est que si les nouvelles technologies, si l'innovation vous intéresse, vous pouvez consulter notre média partenaire Agriculture et Nouvelles Technologies. Et puis quant à moi, je vous souhaite bien sûr d'excellents semis de printemps et une excellente semaine.